la 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 Mais franchement, moi j'ai rien à vous reprocher, rien du tout. Vous avez été parfait, vous avez été costaud, vous avez été courageux, vous avez fait vibrer les supporters longtemps au bout dans le match. Bon, Loïc Bouger, président de l'OS Eco, merci pour ce moment. Qu'est-ce que tu as pensé du match et de l'organisation en général? Je pense que l'organisation a été au top, comme nos joueurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, tout le monde a fait ce qu'il a pu, et je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Donc un grand merci à tous les bénévoles qui ont sorti les mains et à tous les joueurs aussi qui ont sorti les pieds cette fois-ci. C'est quoi les objectifs pour l'équipe pour l'année 2019-2020? Écoute, aujourd'hui, on va se concentrer, comme la formule le dit tout le temps, au niveau du championnat, mais surtout à la Coupe du Grand Est, la première Coupe du Grand Est. On va pouvoir rentrer dès le prochain tour, je pense. Donc on va essayer de faire aussi fort qu'en Coupe de France. Concernant le championnat, on est dans les premiers au jeu d'aujourd'hui. Je pense que secrètement, l'objectif, c'est qu'on finisse dans les trois premiers. Voilà. En ce qui me concerne, c'est mon objectif. Merci, monsieur le président, et bravo. Merci. Bah écoute Greg, c'était une belle journée déjà, je trouve que c'était chouette, déjà au niveau de l'environnement. Sur le match en lui-même, moi j'ai pas très crevé, on a joué contre une trop grosse équipe. Il y avait un gouffre entre nous et eux, on a été à la hauteur de l'événement je pense, mais voilà, c'était juste trop fort. Une seule véritable opportunité dans le match, on n'a pas su la saisir sur une tête qui nous aurait permis de revenir à un but partout. Et voilà, moi j'ai pas de regrets, un beau parcours, une belle aventure, ça a soudé les gens, ça a créé du lien, ça c'est à mon avis capital, et je pense qu'on va un petit peu rentabiliser, amortir ça sur les mois à venir. Donc un grand et bon moment, et voilà, qu'on a envie de revivre dès l'année prochaine, mais voilà, c'était chouette. Donc, non, je suis pas amer, je suis pas déçu, je suis heureux. À l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Voilà. Merci. Bah, déjà c'était magique, une super fête pour le club. Franchement, on a profité à fond. Voir autant de monde autour de la main courante, la tribune en feu comme ça, c'était juste magique. J'ose même pas imaginer ce que les joueurs ont ressenti quand vous les avez poussés à ce point-là. C'était vraiment super. Après, au niveau du match, on est tombé sur une équipe très solide, vraiment très athlétique, qui jouait très bien au football. Donc on n'a que très peu de regrets. Vraiment une équipe qui nous a pris au sérieux et qui mérite sa qualification. Après, il nous a pas manqué grand-chose, je pense, pour mettre un petit peu de magie supplémentaire. Je pense que l'égalisation avec le sauvetage sur la ligne aurait vraiment pu changer le cours de la rencontre. Mais voilà, on n'a pas eu cette petite réussite qui nous a fait défaut. Mais en tout cas, je suis très fier des joueurs et de leurs prestations. Ils ont vraiment tout donné. Je pense qu'ils ont fait honneur à la tribune qui était en feu. Merci beaucoup. Ghislaine et Edwige, merci pour votre investissement dans l'organisation de ce 7e tour. Comment vous avez trouvé l'organisation de l'événement? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé. Beaucoup de taf avant. Mais très bien passé. Excellente journée. Dommage que les maillots rouges ne gagnent pas deux fois dans la même journée. Merci. Racontez-nous un petit peu
En résumé, comment vous avez vécu l'événement? On a passé, on a eu du monde, on a bien organisé, c'était super. On tient à remercier déjà les joueurs pour ce qu'ils ont fait. Ils vous remercient pour ce que vous avez fait. Et bah, c'est super. Donc, on aurait bien demandé à ce que mais encore un but. Mais bon, on attend les filles maintenant. Ouais. Maintenant, on attend les filles. J'espère qu'elles vont passer sans faire de comparaison, surtout. Hein, parce que ça n'a rien à voir, le foot féminin et le foot masculin. Et, voilà. Sinon, oui, bah Mathilde veut dire quelque chose, mais elle n'aime pas les photos. Mathilde, fille du président, qui... La belle fille du président, bon voilà, la fille, la conjointe du président de Nathalie. Heureusement qu'ils étaient là pour nous aider, parce qu'on avait besoin d'elle. Hein. Comment t'as senti l'organisation de l'événement? Est-ce que c'est difficile de travailler sous les ordres de la famille Beson? Non, je ne sens pas. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, ouais. Non, nickel. Bien. Merci en tout cas pour l'investissement, votre investissement, c'était... Merci à vous. Super. À l'année prochaine? Ouais, oui, bien sûr. Voilà. C'est pas le dixième tour. Donc Jean-Mi Hosti et Olivier Bourgeois, membres du comité et le duo de la billetterie à l'entrée. Comment vous avez trouvé à la fois le match et l'organisation et... Sur l'organisation de la billetterie, on peut dire que ça a été vraiment bien géré. Ça s'est bien déroulé, on n'a pas eu de problème. Tout s'est bien passé au niveau du match. Bah écoute, on est tombé sur une équipe qui était comme beaucoup plus forte que nous. Mais bon, bonne journée. Voilà. Les gens sympas, contents de venir, ouais. Contents de repartir. Ils ont passé une bonne journée. Mmh. Le club a donné une super image. Tous les bénévoles ont donné une super image. Donc là-dessus, c'était super positif. Vous serez là pour le 7e tour l'année prochaine alors? On a compris comment faire. Voilà. Les entrées à 25 euros. Bon, merci. 8e tour, ce serait bien l'année prochaine. Ouais. Mais merci. Bon, si tous les ans déjà au 7e tour, ce serait encore. Ce serait bien. Quoi. Merci en tout cas pour temps passé et l'investissement. Nickel. Enfin, merci. Merci à toi, Greg. Ah. T'as été tout ça, fort. Quoi. Allez. T'étais fort, Greg. Futur 8e membre du comité, il est derrière la caméra. Voilà, allez. À l'année prochaine. Alors, moi, je ne vais pas parler du match parce que voilà, la défaite est là parce qu'ils sont super à nous. Je vais parler surtout de l'organisation au niveau des supporters, au niveau des bénévoles. Et je pense qu'on a passé une très bonne journée et tout a été positif au niveau-là. Voilà mon ressentiment. Jérôme, sur le match. Ouais. Le match. Un bon match, l'équipe Saint-Louis qui a respecté l'adversaire, Aiko qui a été courageux, solidaire, avec une très belle ambiance, franchement que du plaisir. Un dixième tour l'année prochaine alors? Tu seras là? Un tour l'année prochaine, je serai là. Avec Greg en tant qu'organisateur de ce genre. Merci Jérôme. Manon, fille du président émérite Loïc Bouger et Nathalie. Donc conjointe, donc que tu n'as pas trop vu ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement? Manon, toi, du coup, chef, enfin, membre, pardon, des KLM, des Pom Pom Girls, qu'est-ce que t'as pensé du match et de l'événement? Je pense que c'était un très bon match. Et quoi, c'est bien débrouillé, avec une bonne organisation, tout le monde était content. Il y a eu du monde et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. La petite animation des KLM a été assurée et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Et Nathalie? Et ben moi en fait, qui n'aimais pas du tout le foot avant, j'étais plus rugby, donc j'étais très grande sportive de l'équipe de Sechaux. Et ben en fait, je me suis laissée prendre au jeu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les footballs n'étaient pas pareils. Et que en fait, j'ai appris à connaître les filles de Eiko, qui sont à l'image de leur président en fait. Ils sont droits, ils sont très attachants, ils sont honnêtes, sincères et franchement, ils méritaient de gagner. Donc, je suis super déçue qu'ils n'aient pas passé encore un tour parce que j'étais persuadée qu'ils allaient être des. Oui, mais il y aura l'année prochaine. Et c'était un super match. On fera ça l'année prochaine. Oui, mais c'était un super match. Et Yann, Audrey, vous avez participé activement à l'organisation. Yann, toi côté Sono et Audrey, commissaire
de monsieur le délégué de la rencontre. Comment ça s'est passé pour vous? Super. En plus, j'étais aux premières loges. Super pour moi. Bon, ça va, ton rôle de commissaire, c'était... Le rôle de commissaire, c'était nickel, il n'a pas eu trop de revendications. Je pense qu'on était bien préparés et qu'on a bien, géré. C'est prêt pour l'année prochaine, quoi. Je suis prête pour l'année prochaine. Et pour les féminines, si besoin. Ah. Yann? Bah écoutez, tout a été parfait. Réparation de la sono qui en avait bien besoin. Au Sénat aujourd'hui, très belle journée. Parfaite. Dommage pour le résultat. Donc l'année prochaine, c'est pareil, on se prendra des loups. Nickel, avec une belle sono. Avec une belle sono. Et puis, bien sûr, une petite pensée pour les filles. Et puis, venez nombreux à Besançon dimanche prochain. Le 24 novembre, le 10 euros, le bus. Le 25, le 25 novembre, pardon. Enfin, ça sera le dimanche. Il y aura un bus, 10 euros par personne, et il ne reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Et allez au SH. Franchement, l'organisation, c'était vraiment top. C'est la première fois que moi, je glissais à l'équipe. C'était magnifique. Et je tiens personnellement d'ailleurs à te remercier, Greg, parce que c'est toi l'instigateur de tout ça. Donc, félicitations à toi et au Blue Shark. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Bon, Vincent, le Drakkar irlandais, qu'est-ce que tu as pensé de votre match? Qu'est-ce que tu as pensé de votre match? Supporté par ta grande fille, Renila et Kali et Sohan et ta femme, elles ont fait du bruit. Et mes amis. Est-ce que tu les et tes amis et tout le monde. Est-ce que tu les as entendus? Est-ce que ça t'a poussé? Et qu'est-ce que tu as pensé de votre match? Écoute, dans l'intime conviction, on m'avait dit qu'il y aurait 3-0 aujourd'hui. Je n'avais pas vu ça dans ce sens-là. Ma foi, c'est le football. Écoute, on a 34 ans, donc on fait pas mal de choses, mais on a pris un pied d'enfer, c'était génial. On est tombé sur un adversaire qui était bien meilleur que nous. On est mort comme des hommes, mais c'était génial, on a kiffé. Franchement, classe. Vous avez assuré dans la tribune, tout le monde a assuré, c'était génial. À l'année prochaine alors? Si on rentre déjà la semaine prochaine, c'est un extra. Lila. Quelle est votre profession? Oh Oh!